significó por mí no bajarse en una decisión cuando iba a dejar mi vida en el mundo. Guarda con mi no mis manos, yo no me hallo con mostrando mis manos y cuento de la vida que me hizo la llorada. No, 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 أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله خاتم أنبيائه وروح الشريف أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمد الله سبحانه وتعالى de la pérdida de su salismo, su nuevo poder, la envoyé de las más divinas que tiene el profeta Muhammad, su hermano, esta familia, su compañero, de su esposa y su madre, de su hijo, el chileno del profeta Muhammad, de su hijo. Nous attestons qu'il n'y a point une autre divinité qui mérite l'adoration de la part des êtres humains, des dieux et des créatures, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous attestons que l'envoyé de la providence divine, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est l'envoyé de Dieu. Et les serviteurs d'Allah et son message. Le passage de l'être humain sur cette terre est très bref. Ça ne prend même pas beaucoup de temps. Et c'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en donnant un conseil, il a dit que l'été qui se met là n'est pas ça. Il a dit qu'il n'a pas de l'autre. Et le plus intelligent d'entre vous, c'est celui-là qui s'est contrôlé dans la vie et qui a travaillé pour l'après-mort. C'est pas la mort même, parce que la mort, c'est vrai, c'est difficile, mais l'après-mort, encore difficile que la mort est vrai. Parce que l'après-mort, c'est la vie de la tombe, là, pas pour le sujet. Et après cela, il y a d'autres étapes qui se gravent au fil des derniers jours. Alors, il y a eu le plus intelligent, c'est celui-là qui s'est contrôlé. Dans la vie depuis qu'il a travaillé pour la paix de Dieu, parce que notre France, qui est là, est très bien. Vous savez que c'est une amour, Al-Israël. C'est une amour. Al-Israël est le prophète qui a vécu 1000 ans, moins de 700 ans. Et le jour de sa mort, quand son âme s'est présentée devant les anges, les gens furent. Lui a posé cette question, mais comment tu as trouvé la vie du dunya? Il a dit, j'ai trouvé la vie du dunya après 950 ans, comme une maison, comme quelqu'un qui a construit une maison et il a mis deux portes à la maison. Il a dit que j'ai trouvé la vie du dunya comme quelqu'un qui a rentré de l'autre porte et qui est sorti par l'autre porte. Et les anges ont dit qu'il y aura une nation après toi. C'est-à-dire que l'être qui ne va pas dépasser 63 à 70, 63 à 70, au-delà de 70, c'est 63, mais au-delà de 63, peut-être ça va aller à 70, 75, voire 80. Alors, quand ils ont dit ça, c'est dans l'eau, il a dit, si moi j'étais parmi eux, si moi nous étions parmi ce peuple, j'allais creuser ma tombe et faire de raka, deux raka, et rester dans le sud jusqu'à la mort avant de partir, parce que c'est bien.
j'allais préférer faire mes séjours dans le parc de Soustalabo parce qu'il va me trouver. Parce que son toit, lui, il a fait 950 ans en public. Il a trouvé la municipale pour quelqu'un qui rentrait dans une maison pratique pour qu'il puisse sortir vers l'autre port. Donc, le passage sur cette terre est très éphémère. C'est pour cela qu'il faut faire beaucoup d'attention quand tu es dans cette vie. Nous avons mis à traiter un tel autrefois. Toujours nous reviendrons sur le même thème. Il y a beaucoup de gens qui sont en décision totale de la religion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une projection entre eux et la religion. Oui, ils sont dans la mosquée, oui, ils font le pèlerinage, oui, ils font le zakat, oui, ils lisent le Coran, oui, ils font des tawafis, mais ils sont déconnectés catégoriquement de la religion de l'islam. Il n'y a pas de projection entre eux et la religion. Il y a une décision entre eux et les enseignants du Coran. Il y a une décision entre eux et l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont déconnectés de l'islam. Mais ils sont musulmans. Ils sont dans les mosquées. Ils sont au pèlerinage. Ils sont à Oumra. Ils font les zikrs. Ils parlent bien l'arabe. Ils ont des chapelets. Ils font les zikrs. Ils font tout. Mais ils sont déconnectés de l'islam. Pourquoi déconnecter l'islam? Vous savez que l'islam, c'est quatre sections. Quatre sections. La première section, le dogme. Pour avoir un seul Allah, subhanahu wa ta'ala, à ne l'associer à aucune autre divinité dans son adoration. C'est lui ce qu'on doit invoquer, c'est lui ce qu'on doit implorer, c'est lui ce qu'on doit mettre au front par terre pour lui, c'est lui ce qu'on doit obéir, c'est lui ce qu'on doit émoler les animaux à son nom, c'est lui ce auquel nous devons mettre, c'est lui ce qu'on doit faire confiance, c'est lui ce qu'on doit se réfugier auprès de lui quand nous sommes dans un problème. C'est ça le tawhid. Vous détournez ça pour n'importe quelle personne, vous êtes mouchri et vous n'êtes pas musulman, vous êtes hors sujet. Et faites attention. Ça m'inquiète. Parce que ceux qui devaient nous amener vers Dieu, ce sont eux qui sont devenus des complices du diable pour nous enlever de la main de Dieu et puis pour mettre sur le roi du Shaitan. Les marabouts et les consorts. Ils appellent à ce qu'on les adore eux-mêmes. Ils se donnent des attributions, ils se donnent des titres que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas eu. Il y a d'autres parmi eux qui te garantissent le paradis si tu le suis. Profitant de notre ignorance, le paradis, et dit quand tu me suis dans ma secte, tu iras au paradis. Un individu, un escroc, un homme, des hommes qui te disent ça, parce qu'il ne peut pas te mettre au paradis. C'est un menteur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le jour où Ousmane bin Mazoun était mort, qui était un ami des prophètes avant l'islam, avant la révélation, je dis avant la révélation, parce que l'islam était là avant le prophète Mohammed. Tous les prophètes étaient des musulmans. Ousmane bin Mazoun était l'ami des prophètes. Et lorsqu'il est mort, il s'est converti, il est devenu musulman. C'est prié, il était attaché au prophète, et le prophète l'avait accordé une grande importance. Le jour de sa mort, il a été au cimetière. Après qu'on a fini de l'enterrer, il a dit à Esquire, vas-y prendre cette grande pierre pour déposer sur la tombe de mon frère, pour que je puisse le distinguer des autres. Et ce sahaba est allé pour prendre la pierre, il ne peut pas, c'était très lourde, la pierre était lourde. Le prophète est allé prendre la pierre comme ça, une feuille pour aller mettre dans la tombe de Ousmane bin Mazoun. Le prophète avait une force qui double 80 fois nos forces. Et la première personne qui est morte dans la famille du prophète, il avait allé s'y enterrer à côté de mon ami Ousmane bin Mazoun. Mais le jour de sa mort, quand il est rentré dans la tombe de Ousmane bin Mazoun, il a entendu une femme qui parlait et qui disait félicitations pour toi. Ousmane bin Mazoun, tu es allé au paradis déjà. Félicitations pour le paradis. Rahmatullah alayka ya Aba Saïd, la tête akramakallah. Mes félicitations, tu t'as donné déjà l'honneur pour la femme. Ah, Ousmane est au paradis. Cette femme-là s'appelle Oumalaï Ansoriya. Et le prophète l'a dit, ça c'est dans le Bukhari et Muslim. Le prophète a dit à la femme, mais qui t'a dit qu'Aman a honoré? Il a dit, c'est seul. La femme dit, non, je ne sais rien, c'est Dieu et son prophète qui connaissent, moi je ne connais rien. C'est là le prophète qui a dit,
أما عثمان فقد أتاه اليقين من ربه. Quand tu as absorbé la vie, la vie, la vérité de son Créateur, la mort est une vérité. Quant à moi, j'ai formé des intentions pour lui, je pense, j'espère au paradis pour lui, j'espère. Amba wa Allah, je juge par Allah, wa anta rasoul Allah, moi je suis l'envoyé de Dieu, la hâte qui m'a eu en lui, je ne sais pas ce que Dieu va me faire après ma mort. Et s'il y a des chinois qui disent qu'ils vont vous aller au paradis, c'est des mensonges. Ce n'est pas la vérité. Le problème de l'Afrique, c'est ça. Nous avons trop des tawarites qui sont mis à la prestance de l'Allah. Et j'appelle des gens vers eux-mêmes, pour les faire tort. L'islam n'est pas une affaire d'héritage. Non, non, non. C'est ce que nous voyons en Afrique. Donc, la section du foi, il faut vérifier. Et pour ajouter, il est formellement interdit dans notre religion à nous, à le Sunnah au Jamara, parce que nous sommes à le Sunnah au Jamara, nous ne sommes pas des chiites qui disent dans le désert. Nous sommes à le Sunnah au Jamara. Il est interdit dans notre temps de dire à quelqu'un qui est quelqu'un des paradis, quelle qu'en soit sa bonté, si les musulmans n'ont pas le droit de dire. On dit, ah, on l'espère pour lui. On n'a pas le droit non plus de dire à quelqu'un qui est musulman et qui est mort, il était dans le péché, que lui, il était dans l'enfer. Nous n'avons pas le droit. Notre religion nous interdit cela. Et ils nous disent, les grands professeurs, dans la petite, qu'on ne doit pas, c'est que quelqu'un doit aller au paradis. Certainement, tant que le prophète n'a pas dit cela. Et nous ne devons pas dire que quelqu'un doit aller dans l'enfer avec la certitude, tant que le prophète n'a pas dit cela. Mais si une bonne personne, un bon pratiquant musulman meurt, nous espérons le paradis pour lui. Et un musulman qui est dans le péché, qui est dans la dévotion, qui meurt, nous devons prier pour lui car Allah nous soumis par bonne. Et la corde, le paradis soumis par bonne. Prie pour ton frère musulman sans prière. Il faut prier pour lui parce que toi, tu n'es pas propre. Donc si tu as des comptes à rendre, hein, personne n'est propre au neige. Donc il faut que cela aussi soit compris. Donc, beaucoup de gens sont en déconfession. Nous avons utilisé ces quatre sections. D'abord, la deuxième, c'est l'adoration qui est chargée de la prière, le jeu de Ramadan. Et troisième, nous avons dit la morale. Et nous sommes sur cette tête de morale. Le prophète dit Ah, c'est pas une idée, il y a eu un problème de Ramadan. Ceux qui sont bien aimés par moi, prophète, et ceux qui sont entrés proches de moi, que la terre, c'est ceux qui ont bon comportement. Il a dit l'être qui était à terre, intégré dans le paradis, par son bon comportement, même en pratique, il a été médiocre de performance. Il peut aller au paradis parce qu'il avait le bon comportement, peut-être en adoration, mais il n'était pas tellement fort que les autres, mais il avait le bon comportement. Nous avons dit que le bon comportement là, c'est ça sur laquelle il nous a dépassé. Et le prophète a été envoyé pour compléter ce bon comportement. Donc, nous allons essayer de traiter quels sont les comportements qu'il faut voir en tête pour dire qu'il est bon musulman. L'islam, ce n'est pas l'apparence. Non. Il y a une apparence qui est demandée. Quand les humains sont musulmans, il y a des choses qu'on doit faire. Pour que, par ton attirement, par ton accoutrement, et par ta manière, il y a des apparences qu'on dit, il faut avoir ça à l'islam. Mais ce n'est pas le fondement de l'islam. Pourquoi avoir cette apparence et être naturel comme tu veux? Donc l'apparence ne conduit pas comme ça, comme certains lieux donnés. La place qu'il donne à la parole, mais la parole, ce n'est pas cette place comme ça. La parole, c'est est bonne lorsqu'il est accompagné par le conseiller. Quand un militaire porte le tri, il était, ou bien un gendarme porte le tri, la gendarmerie. Nous savons qu'il est du bord de la gendarmerie. Maintenant, le tri ne peut rien faire tant que l'homme qui est dans le tri n'est pas un vrai gendarme. Si l'homme qui est dans le tri, il ne sent pas voler, il ne sent pas escroquer. Ils vont l'arrêter avec son tri, la gendarmerie, puis mettre de la zéro sur ses mains et l'envoyer à la prison. Le tri ne va pas l'empêcher d'aller en prison parce qu'il a porté le tri de la gendarmerie, il a trahi même le tri qu'il portait. C'est comme ça aussi de la parole de l'islam. Quand vous montrez la parole de l'islam, soit musulman. Dans la pratique, quelles sont les choses qui montrent peut-être qu'il y a des bonnes choses? Trois choses. D'abord, qui sont principales. La première des choses, le voisin. Nous n'avons pas pris le voisin. Quand le voisin dit que tu es bien, parce que c'est lui qui sait quand est-ce qu'il rentre, quand est-ce qu'il sort.
Et le but est d'abord, si il y a une craque, le voisin qui ont témoigné que tu étais, ça va t'aider chez Abbas Traboda. Et nos droits de voisinage est trop compliqué. Vous n'avez pas le droit de nous offenser par la parole, par le comportement. Vous n'avez pas le droit même de soulever votre mire sans demander sa permission pour ne pas l'empêcher d'avoir de l'air. Et le droit de voisinage arrive à dépasser certaines choses même. Quelqu'un qui s'est couché avec la femme des autres voisins, c'est comme il s'est couché avec 33 autres femmes. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui dans notre société. Je vous parle de ça en connaissant de cause. Parce que je suis venu le même jour. J'ai formé des femmes, j'ai formé des jeunes gens au pays là-bas, en Afrique de l'Ouest. Et là où j'ai des activités, j'y ai trop de contacts avec la société. Ou soi-disant avec la race populaire, qui est trop de contacts. Et les gens se confient, les femmes se confient, les hommes se confient, les voisins se confient. C'est ce qu'on dit dans nos sociétés, c'est à pleurer, ça fait pleurer. Combien de voisins sortent avec la femme de son voisin? Combien? C'est un grand problème. Combien de voisins qui sortent avec la femme de son voisin? Il se fait seulement qu'il a des moyens financiers qui ne se fait pas. Et ta femme elle-même, et comme on vit en communauté, il n'y a pas des structures qui empêchent d'aller à la terre, en Arabie Saoudite. Je ne parle même pas de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, c'est plus fort. Je parle de l'Égypte tout près, où la société n'est pas complètement islamisée dans la partie. Ok. Où la société n'est pas grimpée par la charia islamique. En Arabie Saoudite, c'est presque impossible. Tu ne vas pas avoir un hôtel de chambre qui passe en Arabie Saoudite, c'est pas possible. L'Égypte, même où la charia n'est pas pratiquée là, tu ne peux pas amener une femme dans un hôtel en Égypte, tu ne peux pas. On te demandera tout simplement ton papier de mariage. Même si vous êtes dans la rue, si vous partez en Égypte, là où j'ai fait toute mon enfance, parce que je suis arrivé là-bas avec 14 ans, j'ai quitté là-bas avec les femmes. Quand tu vois en Égypte dans la ville, tu vois les gens marcher. Et chaque femme, tu vas trouver une femme avec un homme comme ça. Tu les vois deux bébés qui sont en train de marcher. Si toi tu es étranger, tu penses que c'est sa femme. Non, c'est sa sœur. Les Égyptiens marchent comme ça. Et dans cette marche-là, il y a une police qu'on appelle, sur notre Anna, qu'on appelle en français la police des mers. Si toi vous avez des yeux, s'il vous plaît, vous pouvez identifier, c'est qui pour toi? C'est ma sœur, mes pièces. Oh, c'est ma femme, pour un carte de mariage. C'est comme ça la société prospère. Une société peut être une société comme ça. Si la société est propre, même des adultères, même des îles, la société devient une société de propre. Mais combien de voisins se touchent avec la forme de leur voisin dans nos sociétés? Si on a des cités qui sont pleurer en armes chaudes, ils se fissent pas sur le maître, un peu de l'argent de son voisin, ils commencent propre. Donner des cadeaux à la femme des voisins, à la femme des voisins, à la femme des voisins, bon. Si tu as besoin de quelque chose, dis-moi. Madame, si tu as besoin de quelque chose, il faut me dire. Ça termine par l'hôtel, ça termine, le chétan va accentuer. Ça, quand tu fais une fois avec la femme des voisins, c'est comme tu as fait 33 fois avec une autre femme. Une fois avec une femme, hors mariage, le péché est comme. Je tourne 33 fois. Chaque fois que tu sors avec la femme de ton voisin, le voisinage, c'est ça la chose la plus difficile. C'est pour moi, comme quelqu'un là, il y a 4 personnes qui disent seulement, et tu es bon parmi tes voisins, parce qu'il va au paradis, et je chante pas. C'est pour moi, pour détecter que le musulman est un bon musulman, il faut démarquer en lui les 3 choses. D'abord, son voisin. La deuxième des choses, c'est compagnon de voyage. Le voyage. C'est ça le problème. Le voyage. Il n'y a pas un danger pour le voyage. C'est pourquoi la Bible dit qu'un voyageur est un cheval. Des voyageurs sont 2 chevaux. 3 voyageurs, ce sont ceux qui sont des voyageurs. En principe, tellement le voyage est dangereux en Islam, l'Islam demande à ce qu'on soit en groupe. Vous savez pourquoi encore? Parce que le prophète Mohammed dit: Aleikum bil jama'a,
soyez un coup, faites un zigou, faites un zima, yakoum, mille rana mille kofia, car le loup qui mange les moutons, il mange quel mouton? Le mouton qui s'est éloigné des troupeaux. Si le mouton s'éloigne des troupeaux, il n'y aura pas de berger, le gardien n'est pas là, il n'y a pas cher, rien. Et le loup peut le prendre comme ça pour la vie. Avec le meilleur soyez. Un seul voyageur est un shaitan. Deux voyageurs sont deux shaitans. Trois voyageurs, ce sont des voyageurs. A dit le prophète, si vous respectez. Quand tu voyages, comme nous faisons, parce qu'il n'y a rien de respecté. En principe, si nous vivons en Islam, tout le monde a fait, nous devons être sincères ensemble. Si on veut être bon musulman, en bon musulman, on veut être ensemble. Moi, avec l'imam, avec Sabo, avec mon travail, on voyage ensemble. On est quatre. Bon niveau, comme on est quatre, Sabo, c'est toi qui es notre commandant, ami. Le chef de l'État. Eux, nous allons descendre à Dubaï, nous allons descendre en Thaïlande, nous allons descendre dans notre pays, le chef de l'État. Mais lorsque l'individu voyage seul, il est exposé à tout. C'est dans le voyage qu'on travaille le bon musulman. Il bénéficie de faire synaptique. Il bénéficie de se coucher avec les femmes ici. Il peut refuser de prendre la mère des femmes ici. Il bénéficie de rester à côté des femmes ici. Si une femme s'approche de lui, il peut refuser. Si la femme veut donner la même chose, on va prendre des femmes. Mais quand il quitte Libreville pour se trouver dans une ville comme Bangkok, pour se trouver dans une ville comme Thaïlande, pour se trouver dans un hôtel, quelque part en Afrique, où il n'y a pas quelqu'un qui le connaît, où il n'y a pas quelqu'un qui l'a dit, qui est musulman à côté de lui, sincère, où il n'y a pas quelqu'un qui le connaît, il a 99% de chances de tomber dans les bras des femmes. 99% de chances. C'est fini. Il n'y a pas de protection. Et puis, la langue d'un ami qui a été tué par le militaire du barreau, je l'ai connu pendant des années, quand là, la corne du paradis, il était insoumis à 1000%. Et qui a beaucoup fait pour la mosquée de la Sunna, et qui a beaucoup fait pour que la Sunna s'installe dans la Bible de la loi, il avait beaucoup de milliards, il était déclaré. Et pour la première fois, quand il avait quitté la Côte d'Ivoire pour venir en Afrique centrale, pour la première fois, il m'a reçu chez lui, quand je suis à Abidjan, chaque année je partais chez lui, dans le début de la maladie, sur le fait que je retourne à Abidjan. Il m'a dit, je ne vais pas faire ce voyage. Il dit, pourquoi? Pourquoi tu dis tu vas faire la radicale, mais à ton nous, il faut rentrer chez toi. Pour ton sinon, je ne sais pas pourquoi tu me dis ça. Il a dit, j'ai peur que quand ça va t'écraser, ils vont te tuer. Parce que tu étais devenu, j'étais devenu très populaire à l'époque. Avec la jeunesse, je disais n'importe quoi. Tout ce qui vient là, c'est bien. J'ai dit, mais moi, je vais te prendre sur le terrain. Il a dit, mais ça, tu veux me parler. Il a été tué comme ça. Parce que le jour où on a tué, on a eu 90 millions, 85 millions de plus dans la maison. Le corps a été injecté dans la rue. En Adina, tout le monde a parlé de lui. Tout le monde savait qu'il était musulman. J'ai bien trouvé une fois dans une maison à Abidjan, dans une groupe au Médicissant, il dort dans la mosquée. Et cette groupe au Médicissant, pourquoi toi tu avais dit non? Il dort dans la groupe au Médicissant, dans une mosquée comme ça. Il a dit je peux faire ça parce que j'ai été ici une fois à Abidjan dans un grand hôtel. Et je suis descendu pour aller acheter quelque chose dans la boutique, j'ai trouvé une jeune fille dans la chambre. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as voulu faire? Il a dit, monsieur, je vais passer le temps. J'ai dit, il faut sortir. Il dit, je ne sors pas. Il dit, il faut sortir. Il dit, elle dit, elle ne sort pas. Il dit, maintenant, si tu passes la nuit avec moi, je paye combien? Il a dit, l'argent. Je lui ai donné l'argent. Il dit, il faut sortir. Et puis, donc, j'ai décidé de descendre à l'hôtel. Descendre dans les hôtels, dans les voyages, c'est le plus grand danger que nous rencontrons à l'hôtel. Là, il a dit, écrit avec les gens. Tu es exposé dans le voyage. C'est plein de choses. Tu es exposé. Ça, c'est des hommes qui font besoin des femmes. Aujourd'hui, nous avons des femmes qui ont des passeports. Et les mamans sont à la radio. À la vie de la mosquée, tu vois la mosquée, on parle de madame, elle est là, 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 elle est là. La jeune femme est là pendant 8 mois, 12 semaines,
Dumnezeu m-a putut să mă chem la data. Eu merg doar în situație, nu? Îi pun la acest lucru, mă rău de copilă. Le trebuie să pot să-i calitate de ziua. Le s-a dat o problemă cu acest atât de imam mai ușa, îi pe papă prate de imam pe pentru concert. Comandă și pe papă prate, dar la, se tot urmă. De cum am zis, il est interdit d'emprisonner les femmes. On n'emprisonne pas, Jésus se débat à voilà. Avec les chrétiens, tu reçois de la femme en islam, Jésus a dit l'islam. On n'emprisonne pas ça. On peut garder les femmes. La même quelque chose. Quelque part, les jeunes arcades, il est là, il est dans un pays, il n'est pas emprisonné. C'est comme cette journaliste anglaise qui est allée espionner les talibans en Afghanistan et il a été pris. D'abord, quand il a été pris, ils l'ont emprisonné, il était avec les femmes pendant un an. Il n'a pas vu un an. Pendant un an, a joué un peu dans sa chambre. C'est les femmes qui s'occupaient d'elle, qui lavaient ses habits. Et elle-même, avec son témoignage, il a dit, le jour de mon arrestation par les talibans, j'ai vu des hommes. Et le jour où on m'a remis à l'ambassade de l'Angleterre, en partant, j'ai vu des hommes. Sinon, un an avec eux, il n'a jamais vu un homme. Un homme n'a jamais frappé ma porte pour rentrer. C'était les femmes qui rentraient chez moi. Et j'ai été traité avec le respect que je n'ai pas eu la notion à l'Europe. Shalom, la vie, la vie, la vie, la vie, la c'est ça la religion, c'est cette religion-là qui prenait la valeur des femmes. La forme qu'on la met en prison chez nous. Est-ce que vous voyez? La forme est honnête. Quand tu es là, ta femme est là. Pour moi, pour tout le monde, elle est dans quelle vie? Et le prophète Mohammed, il se remarque les autres. Une femme qui boit en tuer au jour du dernier jugement, il n'a pas le droit de faire 3 jours de voyage sans qu'elle ne soit accompagnée par un zim Mohammed, par une personne qui ne peut pas la marier. Son frère, hein? Le fils de son frère, le fils de son mari. Le prophète ne parle pas de lui-même. Tout ce qu'il dit, tout est commandé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'il y a des grands imams, on m'a expliqué une histoire un jour au bout d'une rencontre, l'imam m'a dit qu'il était assis à une grande objectif. Il dit, imam, j'ai fait quelque chose que je ne peux pas donner. L'homme dit, c'est quoi? Il dit, moi, j'ai fait le commerce entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Mais j'ai amené une marchandise, la marchandise c'était l'autre. On a dit de payer de l'argent, j'ai négocié avec le douanier, le douanier n'a pas accepté. Quelqu'un de voyage m'a dit qu'il faut aller le voir chez lui à la maison, il m'a montré sa maison. J'ai dit chez lui, j'ai dit, moi, il faut qu'il y ait parce que c'est cher pour moi. Il dit, c'est simple, accepte que je ne couche avec toi, il faut se rejeter dans la marchandise. Et comme ma marchandise était trop importante, j'ai accepté, il s'est couché avec moi une fois. Dieu veut vous rappeler. Des questions qui sont très bizarres. Je n'accuse pas toutes les femmes qui voyagent, je n'ai pas le droit de les accuser parce que je n'ai pas le droit. Mais elles ne sont pas en sécurité. Quand une femme sort seule pour aller dans un voyage, elle n'est pas en sécurité. Si le prophète m'avait dit qu'un homme seul est un shaitan, deux shaitans, trois, ce sont des qui sont voyageurs, c'est la femme. Il faut que nous regardions notre comportement et changer le futur des fois. C'est dans le voyage qu'on connaît le bon musulman. Dans le voyage qui vient se protéger. Même quand il est seul, mais il n'est pas en sécurité quand il est seul. Donc on dit que les femmes n'ont pas fait le voyage entre pays et pays. Dans le but de faire le commerce, dans la religion de l'islam, c'est interdit. Une fois. Encore un milliard de fois, c'est interdit parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il n'est pas permis à une femme qui boit au jour des derniers jours de faire 3 jours de voyage tant qu'elle n'est pas accompagnée par un zim Mohammed. Un zim Mohammed, c'est celui-là qui ne peut pas l'épouser.
Ça, c'est la parole prophétique. Nous le disons. Nous l'expliquons. Nous la disons. Et les gens pratiquent. Et les gens ne pratiquent pas. C'est un autre débat. Mais c'est à nous d'enseigner cela aux musulmans. Voilà, mes amis, ton reste. Non. Et tellement ces formes sont animées par l'esprit des diables, d'autres même font commerce seulement par le plaisir. Parce que les autres sont attirés au sujet. Toi tu dors, la femme est là, la femme est une bonheur. On ne doit pas s'amuser avec la femme de quelqu'un. Quelqu'un ne doit pas laisser sa femme qu'on s'amuse avec. Comme beaucoup d'années qui sont. La femme est là. Elle n'a pas sa carte chez jour. Il a les moyens pour prendre la carte chez jour pour la femme, il ne regarde jamais la femme. Mais en même temps, tu n'es pas honnête. Tu as dit comment on dit les femmes. Et moi, je suis à bord d'un autre. J'ai regardé un jour et un temps, j'ai vu plus. Elles sont restées sur la prairie avec les gens. La prairie a passé, la prière a compris que 2 heures de temps les femmes leur sont pointées. Ils n'ont pas de papier. Et les policiers n'ont pas ça. Quand tu rentres dans le pays de quelqu'un, tu dois rentrer avec le papier. Tu dois respecter les règlements. Si tu ne respectes pas les règlements, l'État ne peut pas accepter. L'Arabie Saoudite, où il y a le drapeau, il est là, il a la main en main. Il faut rentrer dans la sans papier, tu vas voir ce qui va se passer. Ou bien si ton papier est fini, tu vas savoir ce qui va se passer. Les vieux gouvernements, ce sont des pays pour femmes. D'accord? Ça, c'est ta pensée à toi parce que ta pension est erronée. Le pays où il y a le drapeau, là, là, il a la main en main dans son bouquin, où tout le monde utilise. C'est dit vers la prière. Tu ne peux même pas respirer là-bas si tu n'as pas de papier. Tu ne peux pas. Il faut que tu ne te donnes pas. Madame est venue. Fais en sorte qu'elle soit réglamée. C'est pas mieux qu'elle soit comme ça, humiliée dans les rues, chaude et tout ça. Autrefois, j'ai été obligé d'aller dire aux gens là-bas. J'ai dit, monsieur, j'ai dit, j'ai arrêté la femme avec l'enfant. La piton, l'enfant n'a rien à voir avec cet enfant. Il dit, mais piton, j'ai dit, il faut laisser la femme partir avec l'enfant. Vous regardez le tout, il n'a plus en train de la tête. Lui-même, il ne parle même pas, c'est un enfant qui ne parle pas. Il m'a dit, il m'a touché à qui, la vérité, ça c'est un cas d'exception. Madame Voisin, la femme était avec une maman de 2 ans sous la main. Toi, tu ne respectes pas ton bonheur. Fais chercher tes papiers pour ta femme. Donc, le voyage est très dangereux. La meilleure façon.